Je suis heureux d'être le parrain de cette première édition de Rendez-vous à l'atelier. Laboratoire de création autant que cadre de vie, les ateliers d'artistes nous fascinent. Au détour des rues de Paris, eh bien, ils nous permettent d'entrer dans l'intimité des peintres ou des sculpteurs qui les ont habités. Ils façonnent d'ailleurs l'image de Paris comme capitale des arts et comme ville lumière, la ville bohème également. Alors je me trouve ici au musée de la vie romantique où il y a l'atelier d'Harry Scheffer, mais je vous invite à découvrir d'autres ateliers d'artistes comme par exemple celui d'Eugène Delacroix, celui de Gustave Moreau, d'Antoine Bourdel, de Jean-Jacques Henner, d'Auguste Rodin ou de Zip Zadkine. Ce sont véritablement des lieux de mémoire qui ont été miraculeusement sauvegardés et qui permettent à la fois de découvrir l'œuvre de ces artistes, mais aussi leur cadre de vie et d'entrer dans leur intimité. Afin de vous faire découvrir ce patrimoine exceptionnel et pittoresque, je vous invite les 30 septembre et 1er octobre prochains au rendez-vous à l'atelier. Une opération qui réunit ces 7 musées-ateliers qui vous livrent à la fois ces collections extraordinaires, mais aussi vous permettent d'entrer dans un Paris et alentour tout à fait inconnu. Parfois, ces ateliers sont nichés derrière un porche ou dans un jardin très mystérieux. C'est un Paris secret auquel je vous invite dans Rendez-vous à l'atelier. Grâce au site hébergé sur la plateforme Guidigo, des parcours spécifiques vous sont proposés pour les familles et les enfants. Ils présentent les différentes étapes ainsi que toutes les informations pratiques. Alors, venez nombreux, des surprises vous attendent dans chacun de ces musées-ateliers. Laissez-vous porter, flânez autrement dans Paris, d'atelier en atelier.